Bonjour, Matika Crèche revient dans une autre vidéo pour parler aujourd'hui des erreurs des enfants. En effet, mistakes are expected and respected chez les enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les erreurs sont prévisibles chez les enfants et sont respectées. Un apprenti fait des erreurs. Il faut le comprendre comme ça. Un enfant, il apprend. Donc, un apprenti fait des erreurs, nous venons de le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent? Un enfant qui a un comportement inapproprié à l'école, un enfant qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas, un enfant qui ne dit pas la vérité, ce n'est pas tellement grave jusqu'à un certain âge. Parce que il faut comprendre que l'enfant, jusqu'à un certain âge, il ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc, en tant que parent, comment doit-on réagir? D'abord, rester calme, ne pas se fâcher, ne pas crier, appliquer la discipline positive, écouter, prêter une oreille attentive à ce que dit l'enfant pour comprendre pourquoi il a fait cette action. Troisièmement, lui dire que ce n'est pas OK at all. Ce n'est pas ça qu'il doit faire. Il doit se comporter et on demande, on dit à l'enfant comment se comporter et on lui fait promettre, en fait, on lui demande de promettre que la prochaine fois, il ne le fera plus. Il n'aura plus ce comportement. Maintenant, on ne peut pas avoir une formule magique pour cela. Cela dépend, la réussite de cette application de la discipline positive dépend du type d'enfant. Dépend de la régularité aussi. Alors, merci et à bientôt.